C'est le lieu dit. C'est là où tout se passe. Voilà. Ça, c'est de l'immersion. Hein. On peut pas faire mieux. Hein. Carrément. Alors, il y a un truc qui m'épate. C'est le monde dans le métro. Normalement, c'est ouvert quand même. L'IFA de Berlin. Et là, le métro est vide. Alors qu'en général, on est 8000 dans le métro à se foutre dessus pour savoir lequel sortira le premier. Voilà. Welcome to Berlin. 1, 2, 3. Hop. Ah. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. C'est normalement, si tout va bien, le premier vlog consacré au grand salon IFA de Berlin. C'est le plus grand salon high-tech européen. Il n'y en a pas d'autre aussi important que celui-ci. Parce qu'après, les concurrents, c'est bien sûr des shows à Hong Kong, au Japon, ce sont des shows bien sûr à Las Vegas. Mais là, c'est le plus grand. Donc, on y va. On n'a jamais été aussi près et je vais vous faire visiter cette première matinée. Là, nous sommes donc le jeudi 31. Officiellement, l'IFA de Berlin ouvre demain de façon large, wide. Mais déjà, bien sûr, c'est ouvert aux journalistes, aux gens qui sont en train de monter les stands depuis 2 jours, qui se demandent si ça va être fini ou pas à temps. Dans tous les cas, le futur de la tech est ici. On va donc pénétrer, faire un petit vlog à l'intérieur, c'est-à-dire avant l'ouverture, petit vlog comme ça. On va regarder ce qui se passe, est-ce qu'il y a déjà des trucs à voir. Et concernant le planning de ces vlogs, là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 3 rendez-vous importants. Le premier avec Samsung, tout à l'heure avec l'Innovation Room. Alors l'Innovation Room, c'est particulier, c'est toutes les innovations pour 2023. Seulement, j'ai pas le droit de filmer. C'est-à-dire, je vais rentrer, je peux pas filmer, mais par contre, j'aurai le droit de parler quand même. Après, je vais voir quelqu'un très sympa qui s'appelle Julien, qui va parler de projection avec un nouveau projecteur chez Xgmi. Alors XGMI, alors Xmi, il me dira comment ça se prononce. Et on finira avec quelque chose de formidable, le retour de Thomson, qui revient en Europe, en France et tout, avec des produits assez intéressants. Voilà, c'est le planning des 3 prochains vlogs, du moins je pense, mais il y en a 12 de prévus. 12 vlogs, je vais finir complètement... Mais c'est pas grave, le principal c'est de vous fournir toutes les infos. Allez, c'est parti, on entre, on y va. Bon, ça y est, j'ai montré le sésame. Donc voici mes premiers pas dans le salon de l'IFA 2023. Donc là, c'est le top départ réel. Regardez, il y a full. Donc c'est génial. On va aller sur des stands qui ne sont pas terminés. C'est mon truc favori. On voit les mecs stressés, qui paniquent et tout. Ah, comment on va faire? Eh bien, on va le faire. Voilà, c'est tout. Allez, on va bien s'amuser ensemble. Alors je vous rappelle, il n'y a pas de montage ou presque. Hein. C'est presque du one shot pour que vous viviez à mes côtés comme si vous étiez avec moi. Regardez, je vous prends par la main. Venez, venez. Donc sur ma 24 heures de l'ouverture de ce salon, regardez un petit peu. Vous allez voir un petit... mort de rire. Alors les mecs là sont en pleine déprime, c'est-à-dire c'est de la folie. Il y en a partout. Et tout le monde se dit, est-ce qu'on va réussir, on va pas réussir? Bien sûr qu'ils vont réussir à ouvrir. Donc voilà, premier petit tour d'horizon. Alors il y a un truc qui me fait tilt tout de suite, c'est DTS. Est ici. Alors DTS a annoncé des choses pour l'IFA de Berlin, notamment avec ce qu'on appelle le DTS PlayFi. DTS PlayFi, c'est un protocole Wi-Fi qui appartient à DTS, qui est donc en collaboration avec certaines marques. Et quand on a un téléviseur qui a DTS PlayFi, si on a un signal qui est en 5.1, 7.1 et des enceintes DTS PlayFi, on peut avoir le téléviseur qui envoie directement un signal vers ces enceintes compatibles. C'est un écosystème complet. J'avais déjà fait des choses autour de ça. Donc voilà, le DTS PlayFi fonctionne. Voilà, vous avez le téléviseur qui doit être un LG là peut-être, qui est DTS PlayFi. Et on envoie donc le son directement en Wi-Fi vers d'autres enceintes compatibles. Mais c'est propriétaire, le DTS PlayFi. C'est-à-dire que l'idée de base avec ça, c'est que ce n'est pas compatible avec tout. Alors c'est sous l'égide de Xperi, hein. Moi j'avais déjà vu ça à Las Vegas. Donc voilà, ils ont plein de trucs DTS pour les voitures et autres. Mais le DTS PlayFi est quelque chose de très 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 puissant chez eux, y compris bien sûr l'association avec IMAX, puisque qui dit IMAX dit DTS. Il n'y a pas normalement, à part sur Disney+, il n'y a pas normalement de IMAX avec du Dolby Atmos. Voilà, Disney est l'exception qui prouve que bon, c'est compliqué d'avoir tout l'écosystème complet DTS, surtout en streaming, puisqu'il n'y a pas beaucoup, entre guillemets, de téléviseurs compatibles. Il y en a beaucoup qui ne sont pas compatibles. Donc Disney ne prend pas de risque. Ils ne disent pas, voilà, Disney va mettre du DTS, oui, mais si certains téléviseurs ne peuvent pas l'encaisser, on ne va pas le faire, tandis que tous les téléviseurs acceptent Dolby. C'est pas plus compliqué que ça. Mais DTS continue à pousser à fond, à pousser à fond. Enfin, je vous fais le vlog en live comme ça, hein. Comme si vous étiez en direct avec moi. On va continuer un petit peu, c'est intéressant d'avoir vu ça. Allez, on va repartir.
Je vais déjà essayer de vous rappeler certaines choses concernant ce salon de l'IFA de Berlin. Alors, l'IFA de Berlin, c'est un salon historique, hein, c'est le plus grand salon high-tech européen, ça je vous l'ai déjà dit. Le truc, c'est qu'au fil des années, parce que je suis vieux, hein, regardez un petit peu, Toutankhamon vous parle, au fur et à mesure des années, moi j'ai vu ce salon changer. Il a changé parce qu'il y a beaucoup de concurrence. La concurrence notamment avec le CES de Las Vegas, qui est gigantesque et mondial, c'est-à-dire que là c'est européen, mais le CES étant mondial, il y a beaucoup de concurrence. Alors, à un moment donné, il est passé une année sur deux, et puis il y a eu le Covid, pendant 2 ans, il n'y a pas eu d'IFA de Berlin, ce qui a été compliqué pour ce salon. On s'est demandé est-ce que ça repartait pas, on ne savait pas trop si la profession allait répondre présent. Et au fur et à mesure, moi j'ai vu que ça avait beaucoup changé. C'est-à-dire qu'au début, il y avait beaucoup d'électronique grand public dans le sens téléviseur, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, on a vu l'IFA se peupler littéralement de ce qu'on appelle le blanc. Le blanc, c'est électroménager. C'est-à-dire tout ce qui est réfrigérateur, machine à laver, tout l'écosystème domotique. Ça, c'est vraiment un des points forts de l'IFA de Berlin. D'ailleurs, hier, les premières conférences étaient des conférences de Miele, Bosch, je crois qu'il y avait Hisense, vraiment des marques de blanc très 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 puissantes. Donc on sent qu'ici, ils font vraiment quelque chose qui est tout public. Parce qu'en effet, c'est ouvert au public. C'est ouvert au public le week-end, tandis que le CES de Las Vegas n'est pas ouvert au public, mais pas du tout. Donc la différence, elle est là. Donc ça, c'est un de mes rendez-vous. Un de mes rendez-vous de samedi matin, c'est TCL. Parce que TCL a de la grosse nouveauté extraordinaire. Même une exclue, ils ont une exclue pendant quelques temps avec quelque chose qui va vous faire kiffer, parce que je sais pas si j'ai le droit de rentrer, je suis là avec mon, je vais me faire jeter, c'est génial. Donc ils ont une exclue exclusive pendant un petit moment et puis après toutes les marques vont pouvoir le reprendre, donc on va bien se marrer. Donc là je vais pas plus loin parce que je me prends des regards un peu, voilà, qu'est-ce qu'il fait là, mais quand j'ai un smartphone et que je suis en train de parler, ils osent pas m'interrompre, c'est le but d'un, vous rentrez n'importe où, vous êtes là, ils savent pas si on est en live ou pas, donc ils disent est-ce qu'on le bloque, est-ce qu'on le bloque pas, il a peut-être 10 000 abonnés, non plus que ça monsieur. Donc je vous donne un petit coup d'œil, mais je ne vois pas l'indication de ce que je vais vous montrer. Regardez, beaucoup de blanc aussi. Donc je repasse un peu plus tard, mais je voulais vous montrer ce stand. Il est à 24 heures de l'ouverture et je suis content. Je vous m'emmerde, mais je suis content. Je fais un moonwalk et merci de ne pas m'avoir bloqué, messieurs, dames. Bon, je pense que là, ils vont donner un coup de téléphone au siège en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? On a une intrusion en même temps. » It is not closed. Hein. C'est-à-dire, moi, quand c'est fermé, je ne rentre pas. Mais par contre, là, voilà. Donc, TCL, ça sera sur la chaîne en vlog aussi. Donc, regardez un peu le bazar, mais ce que je vous dis à propos de l'IFA, c'est simple, hein, c'est vraiment un tournant pris autour de la domotique, de la robotique, il y a de ça partout, vraiment de tous les côtés, smart home. On est moins sur un IFA comme il y a quelques années, qui parlait vraiment de téléviseurs, parce qu'il y avait Philips qui était là, et cette année, moi je crois que Philips n'est pas là, Sony n'est pas là complètement non plus, il n'y a pas LG OLED, ce sont des marques qui donc a priori se réservent maintenant pour le CES de Las Vegas, ainsi que sur les salons qui sont en Asie. Donc les temps changent, et en effet, comme ça, ils pensent concurrencer de façon plus violente le CES, qui lui ne mise pas forcément sur l'électroménager. Hein. Le CES, c'est vraiment les grosses technos, ça peut être des murs LED, des trucs comme ça, et pas vraiment l'électroménager. Ça, c'est un de mes rendez-vous également. Le mec, je fais le truc, hein. Ça s'appelle le pré-show, hein. Hisense. Bon là, c'est les caves. Hein. Donc, ils sont là, et moi, j'attends Damien, que vous connaissez déjà, qui sera donc sur la chaîne également pour un vlog, parce qu'ils ont des nouveautés, ils ont des trucs intéressants, Hisense, c'est dans les cartons, c'est là, ils sont en train de tout installer. Voilà, ils ont des nouvelles laser TV, ils ont un vidéoprojecteur dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et ils ont bien sûr du blanc, c'est-à-dire les systèmes de climatisation, la domotique, ils ont beaucoup de trucs autour de ça, donc c'est cool. Bon là, ils ont quand même du taf, hein. Parce que si on ouvre demain matin, ça va être quand même un petit peu serré. Voilà, le smart home, c'est vraiment le fer de lance. Regardez, vous avez l'avant-première donc, du stand Hisense. Le truc que je vois, c'est que Hisense, avant, c'était entre guillemets un petit stand. Je ne sais pas quel mot employer. Et là, maintenant, ils ont un hall entier. Vous voyez un peu la différence. TCL, c'est la même chose. Maintenant, ils ont un hall entier. Ce sont des marques qui prennent des halls, alors qu'avant, c'était Philips qui prenait des halls. C'était Telefunken, c'était Grundig, c'était Sony. Et eux, ils sont en train vraiment de grignoter tout le monde parce qu'ils sont sur tous les secteurs d'activité. Donc, il y a la domotique, il y a la cuisine, le blanc, il y a le brun. Il y a beaucoup de types de produits différents. Donc, ils cartonnent. Ils cartonnent parce qu'ils inondent. Voilà, on en parle justement dans un vlog avec Damien qui va nous inonder de belles paroles aussi. Je suis super heureux parce que je ne pensais absolument pas avoir la chance de vous offrir ça ce matin. Je me suis dit que j'allais me faire bloquer partout. Et là, je suis le seul, donc ils sont en train de me laisser passer en disant celui-là, il doit être un super VIP. Mais même pas, j'y vais au culot, moi.
je rentre avec tout et je dis allez, on y va pour les petits loulous, pour mes petits abonnés. Par là, c'est Panasonic. D'ailleurs, le test du téléviseur Panasonic arrive bientôt sur la chaîne. Il est en cours de conception, hein, c'est-à-dire que là, j'ai eu la chance cet été de prendre des vraies vacances. Donc après les vacances, c'est l'IFA, donc je ne peux pas me faire tous les téléviseurs en même temps, ça prend beaucoup de temps. Sylvain a déjà fait les mesures sur 3 des 4 téléviseurs que je vais donc tester. Ils sont en ma possession. Donc je vais tout faire pour vous sortir tout ça au mois de septembre, y compris les tests de casque, y compris les tests d'écouteurs et tout. Je vais tout faire pour que le mois de septembre soit le moment où je vais rattraper tout ce que j'ai pas pu faire pendant l'été parce que je me suis reposé. On nettoyait ça, hein. Je rigole. Bon, Alors ça, c'est un de mes rendez-vous aussi. Vous n'avez pas idée de la façon dont Honor est en train de progresser dans le monde entier. Au début, on disait, voilà, Honor, ils se sont arrêtés, c'était dans le giron de Huawei, ils vont pas réussir. Et là, ils sont en train de pousser de tous les côtés au niveau des ventes, et ils attaquent bien le segment jeune en plus. Ils ont une façon de faire qui est très très intelligente avec justement les influenceurs, la façon dont ils font passer les messages, et ils sont en train de gagner des parts de marché. Donc je pense que c'est un acteur qui compte de plus en plus, et on en parlera justement avec Fred, puisqu'il y a des nouveautés qui sont présentées ici. Vous avez également les répétitions ici, les répétitions des conférences de presse demain, des speeches, voilà. Donc je peux vous montrer ça, pas très longtemps, parce que là je sens que ça commence à déranger un peu. Je vais passer devant les gars. Hop. Et on y va. Alors, truc important également, je ne sais pas si on en parlera dans cette vidéo si j'aurai le temps, Fairphone. Il lance également des nouveaux produits. Ce casque-là, vous l'avez déjà vu, le casque Fairphone en best-of sur la chaîne. Bon, pendant que j'avance, je voulais vous dire, hein, c'est vrai que c'est une vidéo particulière, parce que c'est une vidéo qui est hachée. Hello ! C'est une vidéo qui est hachée, qui est comme ça sur le vif. Mais c'est le but de ce vlog, hein, c'est de vous faire vivre quelque chose comme si vous vous baladiez ici avec moi. Voilà, c'est vraiment comme ça que je conçois ce genre de vidéo. Donc, j'essaie de vous trouver des stands qui vous parlent un peu plus. Et ça va être, je pense, assez marrant. Voilà, on calibre, on se prépare. Ça va être un grand show. Hello! Et les mecs. Ah, je me casse. Have a nice day! Partout où je passe, tout le monde se marre. Donc, c'est une abomination. Je ne peux pas interviewer des gens sérieusement. Et ils sont là, ils font tous des conneries, des coucous. Bon, allez, on va voir. Alors là, on va arriver à un coin assez particulier. Je suis sûr que je ne rentre pas. Parce que c'est le cube. Alors, le cube, c'est l'endroit où est Samsung. Voilà, on va pousser très fort. Pourquoi ? Parce que normalement, justement, Samsung se place en dehors des autres stands. C'est-à-dire qu'en effet, l'IFA... Alors, l'IFA de Berlin, c'est tout ça. C'est-à-dire que vous avez, voilà, vous avez des tas de... C'est très grand, hein. C'est pour ça que vous avez ce vlog, il pourrait durer 3 heures. Mais dès que c'est Samsung, hop, c'est dehors. Dès que c'est Samsung, ils se mettent à part. Ils ont le cube. Le cube, c'est gigantesque. Et j'ai rendez-vous dans le cube donc cet après-midi à 14h30, je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo, pour justement la Innovation Room. Oh, regardez la belle prise. Bowers & Wilkins, Marantz et Denon, c'est la même maison hein, de toute façon. Alors c'est un stand qui est ici, je suis un petit peu surpris parce que je ne m'attendais pas à les voir, parce que je suis toujours un petit peu triste quand je fais ce type de salon, parce qu'il n'y a pas assez de marques de haute fidélité qui sont représentées. Même chose à Las Vegas, au CES, il n'y a pas beaucoup de marques. Pourquoi ? Parce qu'il y a des salons réservés à l'audio, notamment qui sont dans le monde entier, comme le Munich High End ou des salons comme ça, où vraiment, entre guillemets, on met l'audio avec l'audio. Et c'est vrai qu'ici, on ne fait pas la hola, hein. Donc on a quelques petits produits, vous connaissez déjà, hein, il y a des casques, il y a des enceintes Bowers & Wilkins, il y a des amplis, on va voir un petit peu. Moi je suis vraiment assez fan de la marque parce que je trouve qu'il y a d'abord un catalogue qui est gigantesque et les produits, même quand ils sont pas chers, entre guillemets, ils fonctionnent déjà. C'est-à-dire qu'il y avait quelquefois des marques où il faut mettre le paquet au niveau de la thune pour que ça tourne. Et bien là, dès les débuts de gamme, on a des produits qui sont Dolby Atmos, ETS-X, qui ont la patate. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien cette marque. Alors on peut dire, en résumé, pour les gens qui me connaissent quand je parle de ces marques-là, Denon, c'est une version peut-être un peu plus édulcorée côté hi-fi que Marantz. Marantz a plus une optique, une philosophie très très haute fidélité et la partie Denon, ça reste de la hi-fi. Mais quelque chose de plus home cinéma, peut-être un peu plus abordable. Voilà, dès qu'on dit voilà, la différence entre les deux marques, pour moi, ça serait ça. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein. Il y a une petite différence sur ce point, sur les philosophies, mais c'est bien parce que ce sont des marques qui ont beaucoup, beaucoup de produits à présenter aux gens, y compris des gros produits, hein. Voilà. Si vous le souhaitez, sur le média YouTube sonvideo.com, vous avez plein de grands déballages de produits Denon, il y a plein de trucs. Voilà, mais je suis content de les voir ici à Berlin. Je pense que c'est sous leur nom. Quelquefois, c'est un distributeur, mais là, a priori, c'est sous leur nom qu'on trouve Bowers & Wilkins, Marantz et Denon.
Sauf erreur de ma part, a priori Philips n'a pas de stand. Je verrai tout à l'heure, mais a priori Philips n'a pas de stand. Donc là, c'est Ambilight TV. À mon avis, Expert, c'est un distributeur ici, parce qu'ils font de tout. Hein, vous voyez, Motorola, Lenovo, vous avez de tout. Donc je pense que c'est comme boulanger. Mais je ne connais pas bien le marché allemand au niveau des distributeurs, mais je pense que c'est ça. Et à l'intérieur de leur écosystème, ils ont en effet Ambilight et peut-être que Denon est dedans, je ne sais pas. Vous avez des entrées qui sont entièrement condamnées, hein, parce qu'ils présentent certainement des produits qui ne sont pas encore annoncés, donc ils les installent. Donc pour le moment, moi, je ne peux pas pénétrer. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont tout verrouillé et ils ont eu raison. Voilà, parce que c'est pas terminé, il y a des gars comme moi qui vont toujours aller fouiner, comme des journalistes, quoi. J'ai honte, même pas. Et voilà, ah si, oh là là, je peux faire une percée. Alors, je ne sais pas ce que c'est, non, c'est pas un stand qui va peut-être vous intéresser. Il y a beaucoup de stands qui sont ici, qui sont relatifs au marché allemand, c'est-à-dire des trucs qui ont un intérêt assez limité pour nous depuis la France. Ben, ils ont des gros stands, regardez un petit peu, gros stands. Là, moi, je cherchais parce que normalement, ce stand-là, il y avait Toshiba et autres JVC, mais il y a des tas de marques qui ne sont pas là cette année parce qu'elles ont décidé de ne pas y être pour des raisons qui leur appartiennent. Je trouve que c'est jamais bien de ne pas être présent sur un salon européen. Mais ça, bien sûr, c'est des décisions qui sont prises en haut lieu. Et moi, je suis qu'un petit gars qui le dit, c'est tout. Hein. Donc voilà, quand on pense à toutes les marques qui manquent cette année, mais waouh quoi. Et qui se retrouveront à Las Vegas, hein. Ça, c'est pas un problème. On va continuer un petit peu l'exploration. Je vais continuer à vous saouler un peu. Alors, je voulais vous dire, je regarde pas beaucoup la caméra ici parce que je regarde mes pieds en même temps et où je vais. C'est important quand même de pas me taper tout, voilà, des trucs comme ça. Par exemple, je vais pas regarder. Petite info, il ne pleut pas. Parce qu'en général, l'IFA de Berlin, ça sonne dans ma carrière le début de l'automne où il pleut tout le temps. Et là, cette année, je dois dire qu'il a plu un petit peu. Là, il pleut plus, il fait beau. C'est gagné, tout va bien, tout va très bien. C'est pas un problème, c'est une belle journée. C'est magnifique. Ça, c'est l'IFA de Berlin comme je l'aime, parce que c'est toujours comme ça que je l'ai connu, avec de la flotte. Mais c'est merveilleux, c'est beau quand même. Moi, je suis ravi d'être là et d'avoir un parapluie, hein, par la même occasion. Oula. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce qu'on peut trouver sur un salon où on ne sait pas trop ce que c'est, si on ne s'est pas renseigné. Voilà, des marques comme ça. Voilà, Intenso. Moi, j'avoue que bon, je ne connais pas particulièrement. Vous avez plein de petites loges comme ça qui présentent ce type justement de marques un peu inconnues qui tentent leur chance. Ça se trouve, c'est une marque super connue ailleurs. Mais pour le moment, voilà, ils viennent tenter leur chance ici au salon de Berlin. Et c'est bien, je veux dire, c'est un moment pour les gens qui peuvent découvrir des choses, découvrir des marques de casques, d'accessoires, de domotique. C'est le but de la manœuvre. C'est le but de la manœuvre. Mais ils sont tous là. Alors également, une marque qu'on verra dans les prochains vlogs, Yamaha, qui a des grosses nouveautés cette année, notamment True X. On en parle avec Olivier dans un vlog. True X est une révolution chez eux. Et c'est une ligne de produits, il y a plein de trucs, je pense que ça va vous faire assez kiffer parce que True X, c'est parfaitement modulaire. Voilà, on en parle dans un vlog. Donc là, c'est le seul hall dédié à l'audio, à ma connaissance, avec le stand Audio Technica. Je vous rappelle, Audio Technica, ce sont des platines vinyles ainsi que du matériel grand public et professionnel. Vous avez des casques gaming, vous avez des casques extrêmement célèbres comme celui-ci, que tout le monde connaît tellement il est bien. Et ils font des tas de choses. Moi, j'aime beaucoup cette marque depuis très très longtemps parce que j'ai eu la chance de faire un reportage justement au Japon chez Audio Technica où j'ai pu apercevoir et comprendre la philosophie de cette marque. Et ça m'avait beaucoup plu. Et je pense qu'ils font des produits intéressants. Ils ont parmi les meilleures platines vinyle, Bluetooth ou pas Bluetooth, avec des prix tout à fait compétitifs. À la base, ils ont commencé à fabriquer des cellules, hein, justement. Et puis après, platine vinyle, tout ce qui va avec. Et ils ont une notoriété absolument incroyable au monde entier. Et c'est une des meilleures marques, à mon avis, japonaises autour de ce type de produit. Avec des casque iconique de tous les côtés, et ils ont fait une incursion dans le gaming avec ce casque qui, ma foi, est vachement bien. C'est le ATH M50X STS Stream 7. Alors, c'est imprononçable, hein. Je sais pas comment ils se démerdent, mais bon, j'en ai marre. Je vais changer de métier. En plus, Audio Technica va penser aux gens quand les gens seront fatigués, ils peuvent rentrer ici. Alors, c'est le cube de l'amour, c'est un endroit où ils peuvent s'asseoir et avoir un son dans les oreilles au calme. C'est chill out, ils voient des images, ils ont de la musique en stéréo. C'est pas du binaural ou un truc comme ça, c'est un endroit où les gens vont pouvoir se poser et écouter. Au milieu de la furie ici, la furie avec Pierre, la furie avec tout le monde. Voilà, Audio Technica à l'IFA de Berlin. Marque très forte en Allemagne, Lenco.
Ils ont de tout. Alors pour moi, le truc, c'est que je veux pas être méchant, mais c'est les designs. J'ai beaucoup de mal avec ce type de design. Mais c'est les goûts et les couleurs, hein, ça n'engage que moi. Je trouve que c'est quelque chose, je ne sais pas s'ils essayent de faire vraiment vieux ou si, s'ils sont vieux, mais globalement, les designs, c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a une idée, hein, c'est vintage. Mais on peut faire du vintage tout en mettant quelques produits qui ne sont pas dans le tas. Mais là, eux, ils misent là-dessus, mais alors à fond, à donf de donf. Voilà, ça peut être vintage, mais là, c'est vintage et moche hein, quand même. Hein. Moi, je me... Oh là 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 là. Je vais arrêter la vidéo, sinon ça va tirer les bêtes. Je suis mauvais quand même quelquefois, je vous jure, je me tuerai. Alors que eux, ils mettent tout leur cœur, tu vois, ils sont là, ils disent on va faire un truc génial pour Pépé, et moi je suis là, je leur casse la baraque, c'est pas normal que je fasse ça. Lors du salon du CES de Las Vegas, j'avais raté le stand Nakamichi. Et vous m'en aviez voulu, m'a dit oh, pourquoi t'es pas allé? Bah, hey, pas eu le temps. Tandis que là, je suis à Berlin et j'ai le temps. Et a priori, ce que je devais voir au stand Nakamichi n'est pas là. C'est-à-dire que moi, j'attendais de voir une barre de son parce qu'ils ont sorti une énorme barre de son chez Nakamichi et je vois pas où ils peuvent la placer. Donc, j'ai regardé un peu les cartons. Bah, le mec, quand même, je suis allé jusqu'à regarder un peu les cartons. Quoi. Bon, là, c'est un truc qui était la forme d'une barre de son. J'ai un truc qui sort là qui est à peu. Non, c'est pas ça non plus. Donc, j'espère qu'ils vont montrer leur grosse barre de son. Donc, je vous mettrai ça ou pas dans des prochains vlogs. Mais ça, c'est le stand Nakamichi. Donc, j'y suis cette fois-ci. Je l'ai trouvé. Au final, le hall consacré à l'audio et à un peu de vidéo, c'est tout petit. Hein. C'est un petit hall par rapport à tout le reste. C'est ce qui me surprend, c'est-à-dire que d'année en année, on s'aperçoit que cette partie-là devient vraiment une peau de chagrin. Et que le salon, en tout cas celui-ci, se dirige vraiment et définitivement, à mon avis, vers tout ce qui est les produits connectés, la domotique, le sport connecté. Il y a aussi, bien sûr, tous les produits que vous connaissez, hein, les téléviseurs et autres. Mais globalement, ça s'étire beaucoup sur d'autres secteurs d'activité qui sont dans l'air du temps. Tout ce qui est autour de la planète, du green, des solutions de cellules photovoltaïques. Il n'y a pas, a priori, de voitures électriques ici. J'en ai pas vu. J'ai vu que 2-3 trucs avec Hyundai. Mais ça, c'est plutôt réservé pour le CES de Las Vegas. Il y a également DJI qui est ici, mais je ne l'ai pas trouvé. Enfin bref, c'est comme ça qu'on va terminer ce vlog qui a été interminable. Mais je voulais vraiment, vraiment vous faire pénétrer dans ce pré-IFA, ce pré-IFA show. Vous voyez un petit peu l'ambiance, comment ça se prépare avant. Vous voyez un petit peu les gens qui sont tout excités. Il y a vraiment, vraiment une très, très belle ambiance, une très, très belle énergie ici parce qu'il faut que tout soit prêt pour demain matin. Et demain matin, dès 8h30, la presse peut être là, mais globalement, on ouvre à 10h. Enfin, ils ouvrent, pas moi, hein, pas mon salon. Donc, je vous remercie. Oh là là, oh là là, le bruit, on se croirait à Paris sur les chantiers des JO. Voilà, dans tous les cas, ça m'a fait super plaisir de faire ce vlog. J'ai été très, très, très heureux. Alors, dans tous les cas, je peux vous dire un truc, c'est de l'improvisation totale. Donc, des bêtises, doit y en avoir. Et il y a un montage à la hache, à la serpe. Parce que j'ai pas le temps de monter un truc pareil sur 4, 5, 6 heures, sinon je vous fais un vlog par semaine. Donc il faut que ça aille vite. Et les prochains vlogs, ça sera aussi un montage à l'arrache. Donc il va y avoir également des TikTok. Hein. Je vous mets le lien TikTok. Des TikTok, c'est les trucs de 1, 2, 3 minutes qui sont montés par un de mes stagiaires. Et c'est vachement bien la façon dont ils montent ça. C'est Valentin. Et vous avez donc tout. Voilà, on va s'amuser pendant une petite semaine avec tous ces vlogs. Et après, retour aux activités normales avec des tests. Et avec tout ce qui va avec, et puis des reportages qui vont être en dehors. Oh, je sais pas où je suis, j'adore. Voilà, je ne sais pas où je suis, mais c'est très très joli. Et je vous donne rendez-vous au prochain vlog. Je pense que le prochain vlog, c'est peut-être LG, avec un truc de folie. Et il va y avoir également un truc assez intéressant avec Yamaha. J'attends vraiment de vous montrer Yamaha et TCL. C'est vraiment deux vlogs. Je suis certain que ça va vous plaire, parce que je le sens bien le truc. Allez, oh là, poussière. Amusez-vous bien, le mec il va crever en direct. Amusez-vous bien sur la chaîne, vous avez plein de vidéos, plein de vlogs et rassurez-vous, je vais survivre, même avec la poussière.